Yes. Alright gang, salut c'est Louis. Aujourd'hui je vais vous faire mon review si vous voulez de Focus T25 qui est soit dit en passant un merveilleux programme d'entraînement. Ça a été le premier programme qui m'a fait découvrir dans le fond les programmes Beachbody. Je l'ai adoré, je l'ai complété avec succès. Alpha, Beta, Gamma, je reviens là-dessus tantôt. C'est un programme vraiment extraordinaire. C'est ça. Fait que c'est un programme qui est cardiovasculaire et musculaire en même temps. C'est un all-around, si on pourrait dire, là, qui dure à la base, c'est 10 semaines. 5 semaines de ce qu'on appelle le mode alpha, 5 semaines de ce qu'on appelle le mode bêta. Si vous voulez, vous pouvez acheter le package supplémentaire qui s'appelle Gamma, qui est un que j'ai moi-même acheté et que j'ai fait. Qui est vraiment orienté, complètement différent, qui est vraiment orienté 100% sur la musculation. Si on recule un peu en arrière, le alpha, dans le fond, c'est un programme qui dure, c'est une phase qui dure 10 semaines, qui est vraiment la fondation, si vous voulez, du programme entier. Les mouvements sont plus simples, sont pas plus faciles, mais sont plus simples. Il n'y a pas de combo. C'est ça, c'est des mouvements simples. Ensuite de ça, après les 5 premières semaines, on tombe dans le bêta. Dans le bêta, on utilise tout ce qu'on a appris dans alpha, mais les mouvements sont plus complexes. Il y a plus d'enchaînement, c'est plus intense aussi. Puis à partir de bêta, c'est là qu'on commence à faire de la musculation. Dans alpha, je reprends ça. Dans bêta, c'est là qu'on commence à utiliser des poids. On fait de la musculation dans alpha, mais il n'y a pas de poids. C'est plus des musculations style push-up ou. On utilise notre corps, les plyos qu'on appelle, on utilise notre corps. Dans bêta, on commence les poids, puis dans gamma, c'est 100% avec des poids, là. C'est ça. C'est des entraînements qui durent 25 minutes par jour. C'est un avantage, c'est un inconvénient. Moi, des fois, je trouvais que c'était pas assez, j'avais le goût d'en faire plus, mais pour le commun des mortels, ça va être amplement suffisant. Des programmes qui sont très, très, des entraînements, excusez, qui sont très, très intenses du début à la fin, on embarque. On commence dès la première minute, ça part, puis 24 minutes plus tard, c'est fini, puis on fait comme je suis déjà fini. Ça va vite, c'est intense, il n'y a pas de break. Si vous voulez des breaks, vous voulez les créer parce qu'il n'y en a pas. Du début à la fin, ça bouge, c'est non-stop, c'est constant. Moi, c'est ce que j'adore du programme. Par contre, ça peut être aussi un point faible. Je vous donne un exemple, mon frère est venu en faire à plusieurs reprises chez nous. Il aimait beaucoup le programme, mais un des drawbacks ou des désavantages, c'est qu'il n'y avait pas de pause, il n'y avait pas de break. Puis aussi que, étant donné que c'est back-à-back, Shanti, l'instructeur, qui est, by the way, extrêmement motivant, il explique pas les mouvements. La première fois qu'on fait un workout, pour la première fois, faut le regarder, faut l'analyser comme il faut avant de catcher le mouvement. Puis c'est pas donné à tout le monde de faire des stepettes. Il y a quelques stepettes, là, c'est pas des mouvements qu'on est fixe au sol, puis on est comme une statue, ça bouge tout le temps, on est constamment en mouvement. Étant donné que les mouvements ne sont pas expliqués, ça prend une ou deux sessions de chaque workout là, pour le catcher. Une fois qu'on l'a catché, là, ça drive through, puis on passe à travers, c'est vraiment le fun. C'est ça, alpha, la fondation, bêta, la suite, gamma, musculation. Gamma, c'est très go, très, très, très go. Énormément de poids avec des poids libres idéalement. D'ailleurs, ça prend pas grand-chose. Moi, j'avais des 15, des 10, même ils se vendent des kits là, que c'est interchangeable. Des poids comme ça là, au Canadian Tire, c'est 1 pièce la livre. Fait que vous n'allez pas vous ruiner en vous achetant des poids. Ça, pas besoin d'énormément de sets. Moi, le maximum que j'avais, c'était des 15. Puis les 15, c'est amplement suffisant. Même où je me disais, ah, ce sera pas assez, je veux plus que ça. Mais les mouvements sont tellement dynamiques. Souvent, on fait la musculation, puis on est sur une patte, on est toujours en déséquilibre. Fait que le corps travaille toujours, les lats, tout ça. Fait que tout le corps travaille. Fait que les 15, c'est amplement suffisant. À moins que vous voulez vraiment vous biffer et devenir gros. Par contre, c'est peut-être pas le programme pour ça. Puis si vous voulez pas acheter les poids ou si ça vous intéresse pas d'en avoir ou tout ça. Vous pouvez utiliser le band là, qui vient avec. C'est un band rouge qui est moyennement résistant. Vous pouvez très bien finir le programme entier avec ça. Par contre, moi, j'ai préféré y aller avec les poids, préférence personnelle.
Ensuite de ça, au niveau de la facilité de faire l'entraînement, c'est vraiment un entraînement qui est accessible à tous. Je l'ai dit tantôt, la preuve, mon frère qui était venu le faire, c'est pas nécessairement un gars qui était extrêmement en forme, mais a vraiment eu aucun problème à le faire. En tout temps, vous pouvez suivre la version modérée qui est à l'écran. Puis, ça va vraiment bien. Là, vous pouvez ralentir un peu votre intensité. Moi, je l'ai faite quand même relativement intense, mais c'est un programme qui se fait un peu à toute intensité. Ouais, donc, au niveau de l'espace, l'espace que vous avez besoin pour faire un programme comme ça, vraiment, moi, j'ai un tapis en foam, là, de 8 par 8. Je vous dirais, c'est agréable de faire sur du 8 par 8. Vous pourriez y aller avec quelque chose d'un peu plus petit, mais c'est une bonne grandeur. Puis même à 8 par 8, on peut le faire à deux. Moi et ma blonde, on le fait à deux, puis on a amplement d'espace pour bouger chacun de notre côté. Fait que ça va bien pour ça. Vous avez besoin peut-être d'un petit tapis de yoga supplémentaire, là, si vous n'avez pas un tapis de foam. Ça va mieux pour les exercices au sol. Puis une bonne paire de running. Ça a l'air niaiseux, mais idéalement des training shoes ou des souliers de CrossFit. Les running shoes ont tendance à être inclinés. Donc, quand on fait des mouvements sur les côtés, c'est moins bon pour les pieds. Mais sinon, une bonne paire de running shoes peut quand même faire l'affaire. Donc, comme vous pouvez le voir en arrière de moi, il y a plusieurs posters, plusieurs calendriers. C'est juste pour vous démontrer que, puis même il nous en manque, on ne sont pas tous là. Juste pour vous démontrer qu'on a plusieurs programmes. Puis je les ai tous essayés, Insanity, Max 30, P90, P90 X3, 21 Defix, 21 Defix Extrême. Je les ai tous essayés, puis vraiment, T25, c'est mon coup de cœur. C'est vraiment un bon programme. Il est incomparable aux autres. Donc, vraiment, on ne se trompe pas avec ce programme-là. Ouais, fait que c'est ça, tu vois, là, je viens de me clencher un speed 2.0 de la phase bêta. Juste pour vous démontrer l'intensité, je suis complètement soaked in wet. À chaque fois que je finis un entraînement, je suis soaked in wet complètement. Même, il y a de la sueur sur les murs. Fait qu'on fait des mouvements intenses. Donc, ça donne un peu une idée de l'intensité. C'est un programme qui est accessible à tous, puis le genre de résultat qu'on peut obtenir, ça va de la perte de poids à la musculation totale. Moi, j'en perds le souffle parce que je suis encore essoufflé. Dans mon expérience à moi, j'ai perdu 22 livres dans l'espace du programme au complet, donc les 14 semaines. Puis j'ai pris beaucoup de masse musculaire. Je vais vous montrer une image ici des photos que j'avais avant. Puis maintenant, vous pouvez voir, mon corps est beaucoup plus défini. Les muscles sont plus définis, tout ressort. Fait que c'est tous des muscles, même les abdos, je sais pas si on les voit bien. C'est toutes des choses que j'avais pas avant, qui sont toutes sorties à force de faire le programme. Donc vous voyez, même pour les gars, s'il y a moyen de se définir. Ce ne sera pas un programme, comme je disais, qui va vous briefer, qui va vous rendre des brutes, mais ça va définir votre corps, ça va sculpter votre corps, ça donne vraiment des bons résultats. Alright gang, fait que c'est pas mal ça. Si le programme vous intéresse, regardez le lien dans la description. Rendez-vous sur le site, vous allez voir, là, tout est vraiment inscrit clairement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Puis, je vous souhaite bonne chance dans vos entraînements. Alright, ciao!